Salut à toutes et à tous, c'est Thomas. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, épisode 4 sur BioShock. Et comme c'était passé, il y a la grande sœur qui débarque. Ça va être compliqué. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Et c'est donc parti, ça va être très très chaud. Je vois pas trop comment je vais m'en sortir. D'accord, bah je suis mort. Je ne pouvais pas me baisser. Ok, bah ça commence bien. Bon, c'était normal. C'était prévu. C'était prévu. Alors, où est-ce qu'elle est? Où est-ce qu'elle est? Ah bah je suis mort. Ok, ça va être très dur. C'est très dur. Bon. On va attendre qu'elle arrive. Où est-ce qu'elle est? Elle est là. Ah bah je suis encore mort. Ah bah c'est terrible. Au secours, elle met 300 ans à arriver et je meurs instant. Et j'ai plus de balles. Insupportable ce début d'épisode. Bon, là-bas il y a le Gugus à les choper, mais bon, ça va être compliqué. En fait, je sais pas d'où qu'elle vient. Bah, elle est là. J'ai plus de vie. Elle est morte. Et bah, que c'était compliqué, 4 minutes de souffrance face à la grande sœur. Ah, ça peut être possible. Toujours lui qui est en train de me tirer dessus. Mais ça va pas être possible. Yes. Yes. Je vais pas aimer cet épisode. Ah
J'aime pas cet épisode. Voilà, bien joué. Tu sais y faire avec cette caméra. Tu as vu? Tu as appris un nouveau truc en filmant ce molosse. Tu vas pouvoir retourner au Sinclair de luxe et envoyer valdinguer tout ce qui obstrue l'entrée. Je suis encore mort. Appuie sur rond tout maintenant R2 pour effectuer une charge. Ah bah il serait temps de venir. Alors. C'est ce qu'on vient de me dire, mais apparemment ça ne marche pas. Option, commande. Voir les commandes. Alors, sauter, mêler. Bah, je sais pas. Ah, ça marche pas, hein. Y'a rien qui marche. Le jeu me gonfle déjà. Non, je n'aime pas. Je n'aime pas. Je n'aime pas le jeu. Ah, c'est avec la foreuse. D'accord. Ok, je peux enfin charger. Mais il faut que j'ai la foreuse avec moi. Cet épisode... j'apprécie pas. Allez, c'est quand ça veut, faut exploser. Bon, moi ça les OS. Mais j'ai pas de soin. Je n'ai pas de soin. J'ai plus rien en fait, j'ai plus de balles. J'ai pas de trousse de soins les gars, vous me saoulez en fait. Je n'ai pas de soins, je n'ai rien depuis le début de l'épisode. C'est compliqué. Donnez-moi du soin, une armoire, quelque chose. Allez, fais tourner ta foreuse et défonce-moi tout ce bazar qui t'empêche d'avancer. Je veux acheter des soins là. Distributeur, il y en a un derrière moi tout au fond. Je crois que je suis jamais autant mort autant de fois d'affilée parce que bah, ça me gonfle en fait. Bah ouais, faut qu'il y ait du monde derrière, bah oui, bien évidemment. Juste à m'échauffer. Ridicule, toi, Louis. Où est cette gonzesse? C'est ça à court, portefeuille. À l'époque, Grace logeait au dernier étage. Monte la trouver et persuade-la de te donner la clé de sécurité. Persuade-la, ouais. Des munitions. C'est la souffrance. Je vais pas vous mentir, c'est la souffrance. Dégâts supplémentaires, ok. Aïe aïe aïe, c'est dur les amis, c'est dur. C'est dur. Il n'y a toujours pas de soins et j'entends
Une tourelle. Une caméra de sécurité, je sais pas trop où qu'elle est. Je vais l'explorer. Si je me fais pas démonter. De soins. Enfin une trousse de soins. Tiens. Hop. Plus de télé. Puni. Eh ben. J'en bave, j'en ai bavé. La grande sœur, bah, je l'avais dit de toute manière. Dans la fin du troisième épisode, il y a de grandes chances que je ne réussisse pas. Et le problème, c'est qu'elle met du temps à arriver à chaque fois. Et tu sais pas où est-ce qu'elle arrive. Et en plus de ça, bien souvent, eh bien... Elle est dans ton dos. Je veux... Ça, tu me la fais pas, hein. Ok, pose de soins. J'espère que ça va mieux se passer maintenant. Oh putain. Ça promet. Ah non, hein, vous mettez pas dans le noir. Ça sent le screamer. Elle est sur un coffre. Je vais mourir. C'est bon. Non, je suis pas passé. Pourtant c'était validé. D'accord. Ouais, bah pourquoi pas. Le jeu qui me troll. Allez, je vais avancer plus vite. Ça. Ah, c'est pour ça qu'il étourdit tout le monde derrière. Je n'aime pas cet épisode. Je déteste le jeu. Je comprends que certains n'aient pas été plus loin. Mais, alors, un coup elle est morte, un coup elle est pas morte. Faut savoir. Bon. J'ai le temps après tout. Allez, ça me casse la tête. Vas-y, tuez-moi. Tuez-moi. Voilà, tuez-moi. J'aime pas le jeu. En plus, je perds des balles. Je perds des munitions. J'ai le temps, j'appuie, je suis dans la zone, mais ça me le compte pas. C'est un coffre piégé. Le coffre est piégé. C'est sûr. C'est sûr et certain. Je déteste le jeu. Je vais le finir, mais je déteste. On dirait qu'il est piégé, du sang dessus. Il y a le temps en plus. Je suis pas aveugle. Voilà.
Je comprends pas pourquoi ça n'a pas fonctionné avant. Je comprends pas pourquoi ça n'a pas fonctionné avant. Je faisais ça. Je suis pas aveugle. Hein. Ah, c'est pénible. J'en appelle à toute la famille. Le voleur d'enfants pénètre dans l'hôtel. Il me veut pour pouvoir atteindre Eleanor. Le géant de métal ne connaît ni la culpabilité, ni la souffrance. Mais nous sommes une famille, la famille. Et nous lui apprendrons ce que ces mots signifient. Alors, il y avait quelqu'un. J'ai l'impression que je vais me faire démonter. D'un coup, tout est calme, hein. Je le sens pas. Hein. Oh, il y a bien quelqu'un. Alors, comme dirais si je pouvais passer à travers. Aïe. Pourquoi je peux pas y aller? Ah, mais une tourelle en plus. Je comprends pas là par rapport à la pièce où est-ce que je voulais aller. Ah, c'est en faisant le tour, ok. Bon. Là-bas il y a une tourelle. C'est ça. Bien que c'est mal de... Oui, tétrodon, dégâts accrus, chargeur, réduction, fusil à pompe. Je me réjouir de ton malheur. Et que veux-tu? Je ne suis pas aussi vertueuse que le docteur Lamb. Ta souffrance est mon plaisir. T'abîmes. Je n'en ai pas fini avec vous. Fuyez, fuyez de vous. Mais elle sort d'où elle? Et d'où qu'elle sort? Ah, il y a une tourelle qui pourrait s'avérer très utile. C'est pas ce que je voulais faire, mais c'est... pas ce que je voulais faire, mais ça marche. Alors, jetez un froid sur vos ennemis. Avec la foreuse glaçante. Ah. Tempête de flammes. Foreur sournois. Je fais tellement de bruit en fait que ça sert à rien. Nous n'avons pas le même sang, monstre. Mais grâce au docteur Lamb, désormais, nous sommes tous membres de la même famille. Un peuple unique, une cause unique. Bien sûr. Tu peux saigner mes vieilles chairs et arrêter mon cœur. Mais cette famille, elle, te survivra toujours. Quant à toi, géant de métal, tu mourras seul.
carburant déjà, ok. Comment ça, flèche automatique, capacité max? Je pouvais en stocker avant. Le jeu te fout pas de moi. Bon. Je déteste le jeu, Je suis un peu énervé. Oh, ça va finir par se casser la figure, ça. Exploration, quand tu me tiens. Il me faudrait du soin, c'est surtout ça en fait. Andrew Ryan m'avait dit jadis, dans Rapture, peu importe les origines. Mensonge! La pauvreté, la crasse et le mépris nous ont accueillis. Et cette foi que nous avions écrasée si longtemps a refait surface. Le docteur Lamb nous a montré à tous que derrière les différences superficielles d'origine, de naissance, de couleur de peau, nous étions une seule et même famille. Ah bah commence à m'énerver avec ça. Avec son truc de famille. Je vais te la faire manger. Ah super. Bon c'est pas grave. Alors le plein de soins, très important. Un peu de carburant. Un petit peu de rivet. Et une flèche de piratage. Enfin on est reparti pour de bon. Voilà. Saloperie. Ah, le karma que je viens de me prendre. Voilà. Les vilaines tourelles se dégagent. Encore un coffre. Qu'est-ce que c'est? C'est chaud les coffres quand même. En vérité, ouais. C'est chaud. Je pense garder la foreuse pour les... pour la grande sœur. Oula, j'aime pas trop ça là. Je me dis qu'elle était rien d'important. Super complexe comme endroit là. Vingt-cinq minutes, bon début compliqué. Oh là 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 là. Il y a des pièges partout. Une petite musique. Et
Ok, bon. Petit personnel, perforante. La chambre de Gracie n'est plus très loin. Cette vieille chouette a mis pas mal de bâtons dans les roues ces dernières heures. Alors je ne serai pas regardant sur la manière dont tu t'en débarrasseras. Mais tu sais, c'est une vieille femme et sa rancune repose sur un malentendu. Alors... Damn it. Ok, est-ce que je peux être tranquille un moment? Bon, ça c'est toujours en plus. Je lis pas les journaux parce qu'il y en a trop. Ah, c'est pas facile, hein. Non, non, non. Est-ce qu'il y a des petites sœurs à sauver, quelque chose du genre? Petite sœur dans ce niveau, il y en a deux. Quelque chose me dit que je dois faire tout le chemin inverse et que tout va s'ouvrir. Ce soir, monstre, toi et moi, nous nous présenterons devant Dieu. Moi, parce que tu as le meurtre dans le sang, et toi, parce que la famille ne te laissera jamais t'enfuir avec cette clé. Donc on voit Lamb et Eleanor, c'est ça. tellement visible. Je sais pourquoi t'es là. Alors tiens, prends-la. Je refuse que tes mains me souillent. Le docteur Lamb m'a fait confiance. Elle m'a confié son enfant. Et pourtant, la petite Eleanor a disparu. Et puis un beau jour, je l'ai vue avec toi. L'air bizarre. Et quand j'ai voulu l'embrasser, tu m'as brisé la mâchoire. Cette douleur. Alors qu'attends-tu, voleur d'enfants? Allez, viens. Viens finir ce que t'as commencé. C'est à toi de décider. Simplement, n'oublie pas qu'elle n'est pas armée. Bah... Elle n'est pas armée, donc pour moi c'est bon. Eh bien, qu'attends-tu? Tue-moi, maudit monstre de métal! Laisse parler ton sang! Tue! Non. Vas-y, bon Dieu! Tue-moi! Tu as du cœur, mon garçon, vraiment. Peut-être qu'à l'avenir, elle y réfléchira à deux fois avant d'accuser qui que ce soit sans preuve. Bon, mieux vaut ne pas traîner ici. Eleanor t'attend. Ah. J'étais à ta merci, et tu m'as épargné. Quel monstre pourrait tendre l'autre joue? Non, un monstre n'agit pas comme ça. Seul un homme libre agit ainsi. Eh oui, je suis un homme à l'intérieur. Le docteur Lamb n'est pas une menteuse, je le sais. Mais elle se trompe à ton sujet. Te laisser foncer tête baissée dans l'embuscade qui t'attend au dehors. Non, ça me semble injuste. Je ne peux pas empêcher la famille.
Mais je peux user de mon influence pour augmenter sensiblement tes chances de survie. Ces engins ont été personnalisés par un vieil ami. J'ai peur de ne pas pouvoir faire grand-chose de plus, pour l'instant. Sortez de votre cachette, voleur ! Oh voleur, oh voleur ! Ouais, j'ai plein de tourelles avec moi, ça c'est cool. Alors, oui, je vais voir où je suis. Ok, bon. Le gars qui change d'avis après 20 minutes, j'aime le jeu. Je l'aime. Alors, nanana, quelques notifications sur le téléphone. Alors toi, je t'ai vu. Headshot, biatch. Boum. Comment ça, j'ai plus de vie là? Il s'est passé quoi? Je crois qu'elle a lancé la grenade. Mais. Elles sont téléguidées sur ma tronche. Pour Grace, le paradis d'Andrew Ryan a été très cruel. Elle l'attaquait dans ses chansons. Il l'a mise sur sa liste noire. Elle s'est retrouvée sans le sou. Mais au sein de la famille. Elle a retrouvé l'espoir et une raison de vivre. Réfléchis, Delta. Qui es-tu pour tout lui reprendre? Calmez-vous, laissez-moi. Qu'est pas ça, hein? Oh punaise. Encore un lourdeau. Bats-toi comme un homme. Ouf. Je crois que ça lui a rien fait. Tu vas me le payer. Je crois que ça lui a rien fait. Hein. Est-ce que je lui ai foncé littéralement dessus? Il doit être invulnérable au corps à corps. Écoute-moi, toi l'homme dans le scaphandre. Tu as fait plus que m'épargner. Tu m'as ouvert les yeux. J'aurai quelques questions à poser au docteur Lamb. Bah oui, docteur Lamb, n'est pas très correct. Chercherais-tu à gagner ma confiance en épargnant Grace? Piètre stratagème, je dois dire. Tes larmes de crocodile ont peut-être eu raison de sa crédulité. Mais pour moi, je ne doute que cela fonctionne. Quitter le point de chute en train. Mais du coup, les petites sœurs à sauver. Il n'y en a pas. On est d'accord, il n'y en a pas. Il n'y a pas de petite sœur. Je n'ai vu aucun gros méchant. C'est tellement grand. C'est-à-dire que j'ai fait tout ça. C'est ça que j'ai du mal à comprendre, c'est que. Où sont les petites sœurs? Je n'ai pas vu un seul. Il y avait des protecteurs, mais il n'y avait pas la fille avec. L'allée des sirènes. Bon, nouveau lieu. Écoute! Ô toi qui brûles d'égorger l'agneau de Dieu, jamais tu n'atteindras son Éden. Bah celle-là, j'en doutais un peu.
Mon petit, réveille-toi, allez. Toi alors, j'ai bien cru que cette torpille t'avait définitivement envoyé à Patres. Je suis dans le parc Dionysos. Le train est dans un sale état, il fuit partout. Toute la zone est inondée et bouclée. Tu n'es pas loin de l'allée des sirènes. Il y a une station de pompage là-bas, qui devrait te permettre d'évacuer l'eau du parc. Comme ça, tu pourras y entrer. Dirige-toi vers la station de pompage, vite! Alors, trouve la station de pompage numéro 5. Oh, il était super protecteur, il est beaucoup plus gros lui. Oh là là. Le père Wells a eu beau te séparer du train, tu t'accroches à l'existence. Je suis impressionné. Mais aujourd'hui, Delta, tu vas croiser le chemin d'un homme qui ne craint pas la mort. Un homme qui, pour sauver Eleanor, se jetterait dans les flammes avec le sourire des bienheureux. Bon, j'ai plus beaucoup de soins. Regardez-moi ce vieux tas de ferraille! Montrons-lui ce qu'on sait faire, messieurs! J'ai pas de soins, je vois pas trop comment je pourrais gérer le méga. Petite sœur dans ce niveau, il y en a 3. Avec des scaphandriers, alors que les autres petites sœurs, elles étaient seules. Peut-être qu'elles étaient seules en fait, et que je les ai pas vues, tout simplement. Ça pourrait expliquer le pourquoi du comment. C'est bizarre, c'est pas la même façon. Tellement de monde. Joue cette foutue chanson, sale tes souffles de merde. Les trousses de soins. De l'argent. Ok, bon, ça c'est fait. Ici c'est fermé. Qu'est-ce qu'il y a à l'étage? Tu crois que j'oserais pas t'en coller une? Hey! Je t'ai vu! Saloperie de tricheur! C'est pas toi! Ok, machine à soupe, pourquoi pas. Des chevrotines à phosphore. Ah, c'est des... Ok, des munitions explosives. Y a un bon payeur à servir ici. Je suis coincé, monsieur, là. On fait dans le canapé là. Et moi, je...
sais pas en fait, je sais pas comment je pourrais le zing zing. Non, je veux jouer. C'est l'heure de faire dodo, ma chérie. Yeah, 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 yeah. Oui, oui. Ouch. J'ai une fessée. Vas-y, faites-moi pompon cucu là, monsieur. Ça me fait mal en plus. Je fuis, fuis. Oh bordel. Oh boy. Oh boy, y'a du monde. Le nom de Ryan est en vie. J'en appelle à toute la famille. Oh boy. Jésus Marie-Joseph. Oh oui, Jésus Marie-Joseph. Je crois que c'était le père Simon Wales en personne. Oh oui. Lui et son frère Daniel étaient les architectes en chef de Rapture. Quand Sophia Lamb est montée sur le trône, Simon s'est fait curer. Il a une sorte de... d'église à lui, près de la station de pompage. Attention, tu peux t'attendre à un comité d'accueil hargneux là-bas. Jésus Marie-Joseph, je suis en galère sur cet épisode. C'est l'heure de... Du coup, il a... Du coup, il n'y a plus de petites sœurs. Laisse tomber, putain. Oh la vache. Je vois pas trop comment je pourrais l'avoir. Pourquoi il fait le tour? Nettoyeur, c'est pas pour ça. Ça s'appelle un nettoyeur. C'est encore différent du protecteur. Ah super. Bon bah j'ai plus de soins, je suis mort X fois. Non, c'est... Franchement, les zones, elles sont hyper balèzes.
Je sais pas trop ce qu'ils ont voulu faire. Je suis censé aller là. Ça, je le sais bien. Mais du coup, il n'y a plus de petite sœur, donc je l'ai tué le... J'ai tué le nettoyeur pour rien. Et c'est pour ça que j'en bave autant. Alors, il y a un distributeur sur ma droite. Ici. Allez, ça repart sur des soins, sur quelques seringues, un peu de carburant. Et nous revoilà reparti. Bon, eh bien, je pense que je vais m'arrêter là pour cet épisode 4, qui fut catastrophique, hein, bien évidemment. Je suis mort, allez, 8 fois, probablement. Je vais voir ce que je peux faire, parce que du coup, améliorer de santé, augmente la santé maximum. Emplacement de fortifiant. Allez, pourquoi pas. Étourdissez plusieurs adversaires avec le pouvoir d'une chaîne éclair, ça peut être pas mal. La bombe incendiaire. Hypnose. Ouais. La nuit d'un sexe, c'était marrant. Il y a tellement de choses, les amis. Il y a tellement de choses. Du coup, faut que j'achète pas mal de fortifiants. C'est chaud, hein. Franchement, je... Ouf, efficace. Pirate prudent. Allez, pourquoi pas. Du coup, faut que j'en achète un là-haut. Donc, je peux avoir jusqu'à 15 fortifiants contre 5, je crois, la dernière fois. Sur le premier. Bon. Et bah, pourquoi pas. Bah, j'espère que néanmoins ceci vous aura plu pour cet épisode 4 qui sortira samedi. Je vous retrouve normalement mardi prochain pour Digital Online et jeudi samedi pour la suite de l'aventure sur BioShock 2. En espérant moins mourir, parce que bon, cet épisode était quand même très compliqué à tourner. Je vous souhaite une bonne fin de week-end et à mardi. Ciao ciao. I think the girls with their nails done now.